Il est maintenant 5h30. J'ai eu la superbe idée de me mettre en tête d'aller faire une séance de sport ce matin. Pourquoi ? Parce que j'ai un rendez-vous à 7h10 au bureau avec Phil. Parce qu'on a un rendez-vous très important avec l'agence immobilière avec qui on bosse maintenant à 8h. Et on doit impérativement préparer ce rendez-vous. Mais hors de question de rater le sport ce matin. J'ai trouvé une salle de fitness, Let's Go, qui ouvre à 5h du matin. 5h, c'était un petit peu trop tôt. J'y serais à 6h moins quart là, 6h moins 10. C'est déjà ça. Look at my neck bright, I get that check right. I'm so blessed right, off of that jet pipe. Off of that side, I'm in a new coupe. Got a bin fire, I said what I said right. Autant juste avant, j'étais claqué. Mais là, j'ai mis une grosse musique bien violente dans la voiture. Et là, je suis à fond, quoi. Pourtant, il est 6h, mais je me réjouis. Ce matin, je fais le dos. Le but, ça va être de me défoncer le dos ce matin. J'ai 45 minutes de chrono pour ma séance avant de devoir filer au bureau pour retrouver Phil. Filer, fil, fil, fil. Trop drôle. Nice. Y'a personne. Je suis le seul dans la salle. Et tu m'étonnes, c'est 6h. Mais y'a personne. Ok, linge trouvé. Du coup, je crois qu'il est temps d'annoncer officiellement l'ouverture de la séance Beast Mode. Beast Mode. En 3, 2, 1. I'm so blessed, right? Off of that jet pipe. Off of that. I'm that new cool. Got been fire. Do no fake love. Tell Lil Brush shape up. The way we lit, they throw and shave it and never say nothing. Time that maze runner. We know the stage. Quel kiff! Sortir de sa séance de sport et il fait encore nuit quoi. Wouh! Bon, c'était une bonne séance. Je me suis bien défoncé, ça fait du bien. J'ai réussi à bien charger malgré. L'heure, franchement c'est une sorte d'habitude à prendre vraiment. De s'entraîner le matin, être chargé le matin. Faut bien s'échauffer pour être sûr que le corps soit bien réveillé. Et après, vamos. Bon maintenant, c'est parti, départ pour le bureau. C'est vraiment un dilemme franchement. Parce que autant là, me lever super tôt, aller faire cette séance de sport, je kiffe hardcore. Je sais pas, mais commencer sa journée aussi tôt que ça, franchement, c'est le kiff, c'est vraiment le kiff. Mais d'un côté, bah, j'aime bien aussi la finir assez tard, mais je peux pas la finir tard et la commencer tôt. C'est compliqué la vie. Ça va ? Ça va ? Bon allez, c'est parti. Bon, rendez-vous terminé. C'est cool. Des chouettes projets à venir. On a réussi à briefer un peu sur la suite. On se verra assez souvent avec eux. Il y a des projets cool en termes de campagne à lancer. Exactement ce qu'on rêve et ce qu'on a envie de faire. Donc c'est cool. Maintenant je parlais de Tetris. J'enchaîne vraiment. Genre dans 10 minutes j'ai un lunch avec Vincent Bailly. C'est le directeur du Lavo Patrimoine Mondial. La région des vins en Suisse, le Lavo. Un contact de longue date. Un gars super. Vraiment cool. Je le vois pas assez. Mais du coup j'ai vraiment hâte de le voir. Comment tu vas? Never. We live forever and ever, yeah. We go forever and ever.
Lunch terminé. C'était super et super cool. En fait, il est directeur du Lavo Patrimoine. En gros, c'est tout le domaine du Lavo. Et sa mission, le Lavo, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas en Suisse, c'est une zone viticole et du super bon vin qui est produit là-bas. En gros, sa mission à lui, avec sa team, c'est de faire en sorte que tout le patrimoine en fait reste vraiment tel quel. Il y a des gens que tu croises qui débordent d'énergie, qui te la transmettent, et ce gars en fait clairement partie, Vincent Bailly. Super moment vraiment, super discussion, et ça fait longtemps que je voulais acheter ça, mais j'ai pris un petit truc à la Fnac pour pouvoir mieux kiffer mes soirées lecture avec ma chérie. Like the good way of doing it is to try to approach everyone with the same approach but different context. And like if needed, if we see that someone maybe needs more time in a way to get better or like that was not as quick as we thought. Mamma mia! Eh, je viens de dire anglophone avec cette histoire, mec. Bon, call terminé. C'est bon, c'est cool, bien allé. C'est une update sur la suite du programme. Et effectivement, ça commence, j'en parlais dans l'ancien épisode, mais le coaching commence la semaine prochaine. Et donc c'est cool, tout est bon, sous contrôle, ça avance dans le bon sens. Et j'en ai parlé juste avant, mais j'ai pas eu le temps de terminer parce que c'est juste Tetris, 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 Tetris. Et je vois quasiment pas la team ces jours. C'est un peu triste parce que moi je kiffe bien être au bureau, j'aime bien être avec eux là, qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger, qu'on puisse, cultiver un peu l'ambiance d'air ici. Et là je dois avouer que autant je kiffe trop être en déplacement, sortir, aller voir des gens, faire des lunchs, des cafés, j'adore vraiment, c'est un truc que je kiffe à fond et je suis reconnaissant d'avoir la chance d'en faire mon job si je peux dire, mais autant quand j'ai trop de choses à faire à l'extérieur, je suis un peu triste à me dire fais chier, demain je serai pas au bureau ou je serai presque pas au bureau, bref. Mais j'ai acheté un truc. Alors mon rêve c'est d'avoir depuis toujours une sono à la maison où j'ai de la musique partout, j'en ai à la cuisine, au salon, dans le bureau, la chambre à coucher, et pour l'instant on a un écouteur dans le bureau, on a deux écouteurs au salon. Et il nous manque un écouteur dans la chambre à coucher. Et notre rêve avec ma chérie, c'est le soir de se poser sous la couette avec une musique, je sais pas, du jazz ou un Frank Sinatra ou un truc super chill, cozy, avec le froid maintenant en plus, pour lire avec un petit thé. Et du coup, ça fait depuis quelques mois que je me dis que je devrais le faire. Et c'est bon, j'ai craqué. Alors je sais pas si vous connaissez, moi je passe par Sonos. Alors je suis content de Sonos parce que la Sono, elle est vraiment cool. Putain, c'est la journée des blagues, ce matin c'était Phil, maintenant c'est Sonos, bref c'est un nom quoi, c'était con quoi. Bref, mais je suis content parce que le son est vraiment top sur celle-ci. Mais du coup on pourra enfin se faire des petites soirées jazz, Frank Sinatra, lecture et thé avant de dormir. Je me réjouis, elle sait pas, ce sera un peu la surprise du jour quoi. Bon, fin de journée, quelle grosse journée au pluriel, je vous ai eu. On est le lendemain, le haut est pareil, mais le bas est différent. J'ai pas réussi à terminer le vlog hier. Il y a eu plein de téléphones, d'emails, d'imprévus, de choses qui se sont passées. J'ai pas réussi à garder le flow. Mais je savais qu'il fallait impérativement que j'aborde avec vous un sujet. J'en ai parlé à plusieurs reprises cette semaine. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle dans la vidéo. J'ai envie qu'on parle ensemble des priorités. D'un système qui peut nous aider à mettre en place des priorités pour savoir où est-ce que dans notre vie on veut mettre le focus ou on veut mettre la priorité. Cette chose c'est tout simple, je l'appelle la roue de la vie, le cercle de la vie en gros. Alors j'ai fait mon job, j'ai fait mon devoir, voici le cercle de la vie. Ceci c'est notre vie à tous. S'il y a bien une chose qui est certaine qu'on a tous et toutes, c'est 24 heures par jour. Et on est toutes et tous libres de gérer ce temps comme on le souhaite. Mais il y a forcément des personnes qui vont se dire maintenant, mais c'est pas vrai, j'ai pas le choix, je ne suis pas libre, j'ai ça à faire, j'ai un job, je dois payer les factures à la fin du mois. Absolument, c'est vrai, c'est totalement vrai, mais vous êtes libre, si votre job vous fait chier, de vous barrer, de poser votre démission, de partir ailleurs. Ça va être forcément une galère, les factures, faudra les payer, faudra trouver autre chose, mais vous êtes libre de prendre ce choix, tout ce qu'il faut. Et c'est pareil pour tout le monde, on doit juste assumer les conséquences de ses choix. Prenez un cercle, divisez-le en 24, on parle avant des 24 heures qu'on a toutes et tous sur une journée. Et ensuite, amusez-vous un petit peu
à répartir ces heures dans ce que vous faites sur une journée. Vraiment, c'est une journée. Donc si maintenant je prends mon exemple, je vise maintenant plus ou moins du 7 heures de sommeil par nuit. J'arrive pas encore à faire 8 heures, mais je suis passé de 5 à 7, ce qui est déjà bien. Du coup, bah, je sais que voilà, chaque jour, j'ai 7 heures sur les 24 heures qui sont prises pour le sommeil. Tac, et ça on va dire c'est le sommeil. Maintenant, par jour, je travaille environ 10 heures. J'ai des grosses ambitions, je veux faire de cette agence un truc qui marche à fond, je veux que ça évolue, que ça bouge. Et je prends le choix d'investir beaucoup de temps par jour dans ce travail. 10 heures, c'est plus ou moins le minimum. Mais voilà, on va dire 10 heures pour simplifier un peu le truc. Du coup, 10 heures par jour de travail. Boum, et là du coup, tout ça jusque-là, c'est travail. Il y a pour moi un pilier qui est très important dans ma vie. Vous le savez, j'en parle souvent. C'est le temps que je passe avec ma chérie. Pour moi, c'est un truc qui est juste, mais intouchable. J'en ai besoin chaque jour. On a forcément des fois d'autres activités, mais pour moi c'est un bloc que je touche vraiment le moins possible. Donc par jour je passe en moyenne, si je vais dire, approximativement 2 heures voire 3 heures avec ma chérie. Mettons 2 heures de nouveau pour simplifier, du coup on va dire il y a 2 heures ici plus ou moins. De nouveau, hein, c'est pas un bloc dans mon calendrier Outlook où j'ai écrit 2 heures rendez-vous avec ma chérie chaque jour. C'est juste voilà pour s'aider un petit peu à structurer sa journée. Ensuite, tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, je vais une heure au sport. Mais j'ai une heure de sport et j'ai environ après le temps de me préparer, de me doucher, de faire ma routine matinale tous les matins. Ça me prend plus ou moins environ 2 heures par jour entre le sport, la routine et ces choses pour essayer de configurer mon mindset pour être prêt tous les jours dans ce parcours que j'ai. Bah, par jour, ça me prend environ 2 heures. On va mettre sport. Par jour ensuite, bien évidemment, bah, je prends la voiture pour aller au travail. Des fois, je me déplace. Je passe du temps dans la voiture tous les jours, comme tout le monde. Du coup, par jour, je prends environ 1 heure en voiture. Attention pour le dessin. Oh, mamma mia. Voilà, ça, c'est une voiture. Une voiture des années 80, mais c'est une voiture. Maintenant, par jour, j'essaye de lire. Donc, je me pose, je lis. Des fois, ça me prend 40 minutes, des fois 1 heure. Mais je prends un instant pour lire si j'arrive plus ou moins tous les jours. Là-dessus, il y a un truc qui me prend du temps tous les jours, c'est bouffer. Donc ici, on va faire un joli petit dessin avec une fourchette. Magnifique. Donc maintenant, je sais que moi, sur une journée, voilà ce que je fais. Voilà où j'ai décidé de mettre mon temps. Et si maintenant, demain, je veux mettre autre chose dans ma vie, si demain, je veux d'un coup me lancer dans un autre projet, tester une nouvelle chose, bah forcément, ces nouvelles choses vont devoir en fait s'incruster, venir s'ajouter à ce cercle. Et forcément, que ça va avoir un impact parce qu'il faudra que je prenne des cases. Donc maintenant, si je passe, je veux me dire que pour moi, passer du temps avec mes potes, c'est un truc qui est très important et je veux le faire sur une base plus régulière. Bah, faut que je me dise que dans mes journées, bah, soit je tape sur le travail, soit je tape sur ma chérie, soit sur le sport, soit sur le sommeil, mais je vais devoir à l'instant prendre des choix. Et c'est super intéressant de faire ce travail pour réussir à se rendre compte juste qu'on a tous 24 heures. Et c'est vraiment très important de comprendre qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est bien une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de penser qu'on peut réussir à tout faire en même temps. Donc on se lance sur plein de chantiers, plein de projets différents. Mais à la fin, il n'y a rien qui avance parce qu'on ne se donne pas le temps vraiment de faire les choses correctement. On n'arrive pas à aller au-delà de 24 heures, c'est impossible. Et il faut du coup forcément un instant se dire ça je le garde, ça je l'enlève. Donc faites ce job, essayez de prendre ce cercle, divisez-le en 24 tranches et faites un test. Et je suis sûr que ça pourra vous aider pour votre vie. Mais là maintenant, il faut que je remplisse un dernier petit truc. Mon petit trident là, il faut que j'aille bouffer. Bon, maintenant la question très compliquée que j'aime poser tous les soirs, c'est qu'est-ce que j'ai envie de manger? Seco de pollo, je sais pas ce que c'est. Poulet katsu, ça j'ai pris ça hier, mamma mia. Je crois qu'on partira ce soir sur du seco de pollo. Je sais pas ce que c'est. Délicieux. Vous commencez à me connaître. J'aime beaucoup la bouffe. Je m'enjaille très vite sur n'importe quelle bouffe. Mais ça là, c'est vraiment bon. Et en plus, ça m'a pris zéro temps à faire. Bref, voilà ce qui résume cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, balancez-moi un gros like juste en dessous pour me balancer un max de force en pleine gueule. On se retrouve mercredi soir. Ok, je l'ai dit. On se retrouve mercredi soir pour un nouvel épisode.
D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. C'est vraiment que le début. Ciao à tous.